Je m'appelle Marie-Dominique, j'ai 27 ans. J'ai passé mon bac au Congo, au lycée français de Pointe-Noire, à Charlemagne. Suite à ça, je suis venue faire mes études donc en Île-de-France, en commençant par Nanterre, une première année. J'ai continué par la suite à Assas, avec une licence éco-gestion monnaie banque finance. J'ai enchaîné avec un master 1 en finance d'entreprise et ensuite donc un master 2 en stratégie d'entreprise, économie des organisations, dans le but d'avoir un profil un peu plus complet. Après Assas, j'ai intégré Financia après finalement 5 ans d'études. Tout d'abord, l'objectif c'était de retrouver une formation en alternance. Je suis allée dans un salon Doc Finance où j'avais l'occasion de rencontrer plusieurs écoles. Lors de ce salon, j'ai trouvé Financia qui était à Paris, proche de chez moi. J'ai longuement discuté avec une personne de l'équipe et un professeur. J'ai choisi la formation MBA 2 Finance d'entreprise, Fusion Acquisition et Banque d'affaires et j'ai réalisé mon alternance au sein de la Banque de France. J'étais, comme il l'appelle, gestionnaire d'informations économiques et financières, plus communément analyste financier. L'objectif était d'analyser des entreprises dans le but de leur donner une cotation. Mon alternance à la Banque de France a permis de mettre en relation la Banque de France et Financia Business School pour d'éventuels autres alternants. Après Financia, j'ai postulé dans un cabinet de conseil qui s'appelle Operanca Associates, cabinet à taille humaine où on est une quinzaine. Et aujourd'hui, je suis en mission chez Barclays où je m'occupe de toute l'automatisation de reporting réglementaire et financier pour les succursales européennes de Barclays. La formation de chez Financia s'est très bien passée. Une petite école, enfin, il n'y avait pas énormément de monde, donc ça permettait une plus grande proximité. Ça a été une année très intense avec des professeurs qui étaient à notre écoute, une équipe formidable qui nous a très bien intégrés, sachant que j'y ai passé qu'une année. Et puis surtout, cette formation a été un parfait tremplin pour intégrer la vie professionnelle.